Et salut à toutes et à tous, et c'est GreatOne14, on se retrouve pour cette quatrième et dernière partie de Metal Gear Solid 3 Rang Fox Sound, et on met la combinaison furtive et c'est parti face à Volgin. Alors bien évidemment pour le jeu commence tout de suite, hein, pas de prélude ni quoi que ce soit pour le début, le mettre à terre. Et normalement j'aurais dû, je crois que j'ai fait une roulade, j'ai pas eu le temps de voir. Et au moment où il fait ça dès le début, tirez lui dans le dos, une seule fois, car la deuxième fois il sera capable d'esquiver. Vous allez voir la technique, donc là je viens de le faire. Mettez votre arme, une fois que vous avez fait ça. Et au moment où il commence à jeter son éclair, ramassez l'arme, voilà. Et après vous allez pouvoir mettre un coup de CQC et une roulade. Et voilà, ça y est, vous voyez, il perd de l'énergie petit à petit. La roulade est plus efficace que les coups au corps à corps. Vous voyez, j'en mets l'arme, hop, je l'enlève. Là, c'est passé vraiment pas loin. Bon, là, évidemment, il... Bon, c'est bon, là, il est de dos. Vu qu'il parle à Oslo, je peux en profiter. Là, j'en mets mon arme, il relance, je l'enlève. Et CQC, par terre, roulade. Vous voyez, il est déjà presque à la moitié. C'est dans la deuxième partie que ça va se compliquer, voilà. C'est toujours pareil, vous mettez votre arme, dès qu'il tire, vous l'enlevez, CQC, roulade. Et voilà, la première partie est déjà finie, ça fait une minute. La deuxième partie, donc là j'ai usé du stratagème du masque de Raiden, je sais pas si c'était vraiment vraiment essentiel, mais enfin bon, vous voyez, on passe derrière, là il bouge pas trop. Prenez votre MK22 et bourrinez-lui là, hein. Je vais pas dire le gros mot, mais bon, boum, seulement 3, vous avez le temps pour seulement 3. Et vous prenez les cigarettes, pardon, la ventre, comment il fait ça? Cigarette, et vous pourrez normalement faire un CQC après avoir esquivé son coup. Vous voyez, hop, j'ai esquivé son coup, CQC, roulade. Il reste plus que déjà qu'un quart. Encore une fois, esquive du coup, j'ai pas esquivé. Encore une fois, esquive du coup. Bon, là il a tiré, mais voilà, et roulade. Voilà les deux seules techniques que je peux vous donner qui sont assez efficaces. Vous voyez, esquiver. Bon, là j'ai fait trop tôt, là c'est bon. Roulade, vous voyez, c'est vraiment simple. Enfin, moi je trouve ça simple. Après, à mettre en œuvre, j'avoue. Oh, voilà le coup de pied, j'ai du mal. À mettre en œuvre, j'ai eu du mal. Mais maintenant c'est fait. C'est bon, c'est bon, c'est bon. Boum, et c'est fini. Donc là, on récupère le camouflage très important pour la course en sidecar. À mettre l'uniforme de guerre froide urgent, puisque les ennemis, dès que vous êtes de face seulement, ne tirent pas sur vous, vu que vous avez le drapeau russe. Donc c'est très important pour économiser des balles, même si c'est dans le sidecar on a munitions limitées, mais surtout pour économiser de l'énergie. Et ne pas perdre trop d'énergie, et puis bah voilà. Économiser aussi le fait d'être obligé d'assassiner. D'endormir tous les ennemis, et donc là je récupère les munitions de MK22, et on va pouvoir passer au sidecar. Volgin, pas très compliqué, hein, vous l'avez vu. Alors, on est parti pour la course sidecar, et d'ailleurs je crois que je sauvegarde, ouais, je sauvegarde à ce moment-là. Je me suis trompé, Major Zero, c'est pas ça. Je sauvegarde juste après le boss, hein, comme d'habitude, donc... Et comme d'habitude, évidemment, si vous voyez que je sauvegarde, c'est que j'ai fait le truc aussitôt après, c'est que... En même temps, la course de sidecar n'est vraiment pas compliquée. Ce qu'il faut, c'est bien viser avec le MK22, ce que je ne vais pas faire. Mais ouais, endormir surtout ceux qui ont des lance-roquettes et essayer de faire face toujours aux ennemis avec le costume soviétique, la rue soviétique américain là. Pour qu'il ne vous tire pas dessus. Le Mosin, je l'ai, et là on a le MK22. Le Chagaon nous suit. Avec la caméra, on voit bien. Là c'est l'ancienne caméra, là c'est la nouvelle. Donc là il y a déjà des ennemis, donc essayez d'en endormir le plus rapidement possible. Faut bien viser, comme vous voyez, faites pas comme moi. Là c'est bon, là c'est à côté, là c'est bon. À droite, puis c'est bon, il reste l'autre en haut. Et je crois que je ne vais pas l'avoir, d'ailleurs je vais pas recharger, je me rends vraiment compte. À côté, et là faut recharger. Tant pis. Oh, c'est pas compliqué, je pense pas que j'ai besoin de donner de conseils sur ce... Sur cette partie là, il faut juste être de face aux ennemis et les endormir, quoi. On va y avoir des ennemis, voilà, par là. Toucher. Couler. Là c'était beau. Mais bon, je l'ai dit, hein, je suis pas un as de la précision. Je dirais que je suis moyen, je peux y arriver comme je peux rater. Tac. Il y en a dans le dos aussi, donc là, tant pis, on avance. Je vais essayer de faire face aux ennemis en même temps, mais bon, il y en a partout. Derrière. Il va falloir endormir tout le monde. Tac. Tac. En haut. Tac. Hop. Il y en a un autre.
Et je crois que je vais pas l'avoir, ouais. C'est bien ce que je pensais. Et le Chagod arrive. Je l'ai eu. Voilà, c'est parfait. Et donc là, j'ai laissé la caméra parce qu'il n'y a pas d'ennemis et on n'a rien à faire durant cette petite séquence-là. On va esquiver le Chagod qui va nous balancer des chars, etc. Esquive. C'est trop lent. Un sidecar face à un... une sorte de... pas un char d'assaut, mais... un aéroglisseur d'assaut, on va dire ça comme ça. Go, 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 go. Cette séquence-là est belle, j'aime bien. Bon, je sais pas comment elle a fait pour tourner dans l'angle, mais bon, c'est pas grave. Et là, on est passé. Bah, on est passé, écoutez. Alors, deuxième partie. Tac. Je l'ai pas touché, c'est pas grave, il y en a en face. Alors, c'est dans cette partie-là qu'il y a des mecs à la lance-roquette. Oh, à la lance-roquette. Oh, lance-roquette, pardon. Vous verrez ça juste après. Sur les toits en général ou sur les échafaudages. Toi, je t'ai pas eu, ne pas tirer sur les bidons avec une arme normale. Et comme vous le voyez, je ne fais que endormir. Vous n'avez que ça ou le Mosin, mais le Mosin Nagant, et j'aime pas. Enfin, j'aime pas. J'aime bien, mais pas dans cette partie-là. Vaut mieux le MK22, il a une meilleure cadence de tir, même en rechargeant, déchargeant. Voilà, comme ça. Et vous n'êtes pas obligé de. Pardon, de recharger à chaque fois. Voilà, fait dodo. C'est un peu dur d'expliquer un peu ces séquences là finalement, vu que c'est toujours pareil. Mais faut bien que je les montre, hein, que je montre chaque partie du jeu qui compte. Qui compte dans le rang Foxhound. Hop. Et de toute façon, quand on arrive à Volgin, hein, on sent que la fin du jeu est très proche. Hein, à la lance-roquette, j'arrivais pas à l'avoir. Allez, allez, allez. Toujours pas. Toujours pas. Pas, je l'ai, putain, j'ai eu du mal, hein. Lui c'est pareil, et là il y en a un, je t'ai eu, et on se barre sur la piste de décollage. Donc là ça va être autre chose, c'est le Chagod et les sidecars qui vont nous suivre. Donc la première zone, il n'y a que les sidecars qui sont dangereux, les autres, enfin le Chagod ne va pas assez vite pour l'instant, ça sera dans la zone d'après. Vous voyez, pour l'instant je tire pas vu que je suis bien en face. Et du coup, on peut les endormir. Je m'étais posé la question que si on les endormait en tombant du sidecar, ils peuvent mourir, vous savez, mais non, ça compte pas comme une mort. Vous pouvez les endormir quand ils sont sur le sidecar, hein. Y a pas de problème. Y a pas de problème, hein. Je l'ai fait comme ça, et si je vous mets une vidéo, c'est pas forcément pas parce que je l'ai raté, mais parce que je l'ai réussi. Donc voilà, endormir les personnes au sidecar. Toujours pareil, une certaine précision que je n'ai pas, comme vous le voyez. Ah là là, le manche. Alors j'ai jamais été bon pour les... enfin, j'ai jamais été très bon pour les FPS. Donc... il est évident qu'en précision, à première personne, je ne sois pas très bon. Enfin, pour moi, mon niveau va très bien. Allez, dors. Voilà. C'est tout. On attend la prochaine séquence. Il y en a encore qui arrive. Oui, le Chagod, on le voit pratiquement plus. On voit qu'un point noir au bout. Toi, fais dodo. Tant pis. Je t'ai pas eu. Et voilà. Donc là, ça va être place au Chagod. Donc il va falloir jouer du lance-roquette dans la face du Chagod. Donc les motards normalement vont se barrer. Et là, je dois m'occuper du... enfin, m'occuper. Je vais devoir m'équiper du lance-roquette juste après. Alors si j'avais mis pause à ce moment-là et j'ai coupé, vous avez peut-être vu que le personnage a bougé rapidement. C'est parce que mon chat était venu m'emmerder. Exactement. Il était venu et je sais plus ce qu'il avait fait. Je sais plus ce qu'il avait fait d'ailleurs. Si, il montait sur la PS3. Voilà pourquoi. Donc la lance-roquette, il n'y a plus de motards. Donc lance-roquette et vous tirez sur les chenilles. Dès qu'il tire comme ça, mais moi je vais tirer tout le temps. Ça sert à le ralentir, à éviter qu'il nous fonce dessus et au moment où il tire, de lui faire s'arrêter de tirer. Vous voyez là, il a freiné pile à temps. Et moi je tire en continu parce que... bah parce que c'est comme ça, vous voyez, il a dit feu mais rien n'est parti. Si vous avez fait le jeu, vous avez dû déjà comprendre ça. Ah, j'ai pas tiré. Je tire sans viser au viseur, hein, j'ai même pas besoin. Hop. Mon énergie a un petit peu baissé mais pour l'instant ça va. Et Eva n'a rien, donc c'est parfait. Burning hell. Du coup ça va être bientôt fini normalement. Allez, un petit effort. Bon, c'est bon, il est loin.
Alors, là, il va falloir jouer du sniper et tirer sur les explosifs. Il y en a 4. Et il y en a un qui va être suspendu au bout d'un bout de ferraille. Alors, vous en explosez 3 et vous attendez avec le dernier. Il est là, le bout de ferraille. Vous voyez? Tac, il était là. En une fois, ça va. Et là, faut attendre. Faut pas tirer aussitôt, forcément. Et on va tirer sur celui-là une fois que le Shagaot sera au-dessus. C'est normal quand... En normal, hein, y en a que 2, je crois, ou un seul. Là, il y en a 4. Surtout celui qui est sur la... Le morceau de métal qui est difficile à choper. Donc, face au Shagaod. Donc, Georgis, pareil, c'était à la suite. Donc, Georgis, juste avant le Shagaod. On a le droit à 25 sauvegardes, pas plus. Donc, moi, je ne sais plus. Je crois que je serai proche. C'est dommage, on le voit pas, là, sur l'écran de sauvegarde. Mais je serai assez proche de... Comment dire... Bah, du but, enfin de la limite, je crois que j'en ai fait 23, hein. Je suis pas sûr, 23 je crois, donc vous voyez il y a deux sauvegardes près, même une, vaut mieux en enlever une, vaut mieux dire 24 maximum, je crois que c'est peut-être le titre c'est moins de 25, donc c'est 24, enfin bref, donc là uniforme, voilà, combinaison furtive pour diminuer les dégâts par deux, et bah vous munissez du lance-roquette, et on est parti, de cette partie là du combat, c'est la première partie la plus facile, puisque vous êtes dans le sidecar, et vous bougez assez rapidement et le Shagaod n'est pas si difficile que ça. Voilà, je l'ai touché. Alors il y a un petit laps de temps avant que ça redonne du dégât, enfin que ça fasse du dégât quand je tire dans le dos. Donc vous voyez, je tire à peu près tout le temps, vous allez voir. Et vous connaissez la technique, hein. Je pense pas que je suis le meilleur pour vous montrer ça. C'est tirer sur les chenilles pour qu'ils s'arrêtent, puis après tirer dans le dos pour qu'ils perdent d'énergie. Lui tirer à l'endroit où il a explosé à cause du pont, il a perdu l'arrière-train qui lui donne toute la vitesse. Avec les moteurs de fusée V2 d'ailleurs. Si je me rappelle bien, c'est ça. À côté, sans viser. Hop là, je l'ai eu, même pas. C'est bon, même pas touché. Donc c'est un petit peu plus long parce que son énergie est un petit peu plus déployée, un peu plus importante. Vous voyez que ça marche quand même. Hein. Vous avez largement de quoi le détruire. Ah, je l'ai pas eu. Là c'est bon, là c'est parfait, j'ai touché la bonne, du coup il tombe d'un coup. Yeah, on est pratiquement à la moitié. Elle est pas belle la vie. Vous pouvez jouer de la recharge rapide comme je fais, vous irez plus vite. Et je pense que vous le savez. Hop, retouché, voilà. Et vous voyez, j'arrête pas parce que... Bah parce que... Je vais à tout prix finir vite. Parfait, on continue. Hop, encore. Ça sera la deuxième partie du combat qui sera un petit peu plus difficile. Enfin, difficile. J'appelle pas ça difficile, j'appelle ça... compliqué, non, risqué, voilà, risqué. C'est pas difficile. Je peux tirer sur les deux comme vous voyez pour l'arrêter parce que là ils tournaient plus vite que moi donc bon, j'ai tiré trop tard. Je peux peut-être... Non, pas toucher. Pas toucher. Bon là, la deuxième s'est pas arrêté. Toujours pas. Il est fait en quoi ce Shagaod? Allez, il lui reste ouais, pratiquement un tiers, presque. Ouais, il tourne. Et pourtant elle tourne. Parfait, il lui reste un tiers. Allez, on l'aura presque. Toujours pas touché là. Boum! On y est presque, il lui reste un quart. Allez, on va l'avoir, parfait. Par contre, Eva, si tu pouvais faire le tour un petit peu plus vite. Donc c'est toujours pareil, hein. Vous n'avez pas... Essayez de pas perdre d'énergie à ce moment-là, ça serait préférable. J'ai du mal à parler en ce moment, dis donc. Esquive. Hop. Allez, plus qu'une fois. Plus qu'un tir et il est bon. Donc je bourrine. Hop. Allez. Boum. Parfait. Bon. Cette fois-ci, on va se retrouver à pied. Donc là, ça va être une autre histoire. Ça va qu'au début, Eva s'occupe d'elle. On n'a pas les munitions limitées. Attention. Donc là, je me suis dit, allez, c'est bon. Touché. Vous n'avez pas beaucoup de temps pour tirer sur le Volgin, vous voyez, il est reparti aussitôt. Alors profitez du tout petit laps de temps pour lui tirer dessus.
avec le Mosin, après avoir tiré dans les chenilles. Vous avez vu que j'ai pas eu le temps. Je voulais, vaut mieux se concentrer sur la tête, je précise. Toucher. Ça lui fait perdre un quart, un tir dans la tête. Vous avez 4 tirs pour l'endormir. Si vous voulez le faire tout d'un coup. Et là, vous voyez, maintenant, il me vise et il ne visera que moi. Eva aura beau faire tout ce qu'elle veut, il ne visera que moi, tirer dans la chenille et recommencer. Sauf que là, il vise complètement à côté. Et vous voyez, une fois qu'il vous regarde... Alors faites attention au tir du mitrailleuse, ça s'esquive comme ça. Vous couvrez latéralement. Il va arrêter de tirer à un moment donné. Et n'essayez de pas vous faire toucher. Vous n'avez pas des roquettes infinies, donc essayez d'être... assez précis dans la tête, boum! Allez, plus que deux. Esquive. Là, il tire près par contre. Eva qui passe devant, regardez, hop, touché Eva, bravo Eva, bien joué. C'est pas comme s'il me tirait dessus depuis tout à l'heure. Elle essaye de peut-être d'avoir son attention, mais finalement, ça a servi juste à perdre de l'énergie. Donc là, ça y avait rien fait. Et là, il tire les missiles à la tête chercheuse. Alors, comment faire? Moi, je cours latéralement et je fais une roulade, vous voyez, comme ça, ils explosent pas sur moi. Attention à ces mitrailleuses là, courez vers le bas, puisque au départ elle ne vous touche pas aussitôt. Esquive, là j'ai failli me faire toucher par contre. Allez, on tire dans les chenilles. Un coup de Mosin Nagant, merci The End pour ton fusil, c'est sympathique. Hop, allez, plus qu'un coup. Et on retire d'un coup, et là je me suis fait toucher, bordel de fuck. Je vais pas avoir le temps de m'en relever, c'est mort. Du coup... Ah, il retire ses missiles. J'ai pas perdu beaucoup de vie, mais bon, vous voyez que hein, ça peut aller très vite. Ouh, je fais me faire toucher pour le dernier. Allez, c'est fini. Je crois que c'est la fin. Il est là. Ok, c'est raté. Et forcément, le temps de recharger, c'est un fusil à verrou. Donc c'est mort, c'était pas ce coup-là. What the fuck. Ok. Voilà. Magnifique. Bon, on est reparti en sidecar avec Eva, normalement, si je me suis pas foiré dans le montage, voilà. Donc, pareil, re-sauvegarde. Vous voyez que j'ai vraiment abusé. En fait, arrivé à Volgin au tout début, tout à l'heure, j'ai recompté mes sauvegardes hein, avant de le faire. Et j'ai vu qu'il m'en restait énormément, assez pour sauvegarder dans pratiquement chaque zone. Chaque zone importante. Donc j'ai sauvegardé à chaque fois pratiquement pour être tranquille. Et du coup, heureusement, parce que comme ça on bénéficie d'une plus grande flexibilité par rapport aux erreurs. J'avais pas sauvegardé, j'ai cru que j'avais sauvegardé. Je sais plus, parce que là en fait quand je viens de parler, j'ai pas regardé l'écran. Mais je vais regarder. Et donc j'étais à combien de temps? C'est 5 heures un maximum. Et du coup j'étais à combien? On va voir ça après avoir sauvegardé. Je parie sur 2h40. Combien? Ça a cassé les rythmes par contre. 2h34, bon, j'étais pas loin. Oui, je suis qu'à la moitié et pourtant j'ai pris mon temps. J'ai vraiment pris mon temps. En gros, hein. Il y a plein de passages où j'ai pas speedé comme la montagne. J'ai pas speedé à mort, vous voyez, je me suis mis à plat ventre, je suis resté beaucoup à plat ventre et voilà. Donc là pareil, vous remettez le costume des États-Unis, enfin de l'URSS, les deux en même temps, et restez face aux ennemis et tirez sur ceux qui sont en sidecar. Je n'ai pas tiré sur ceux qui sont en l'air. Pourquoi? Parce que quand ils tombent, ils explosent. Je sais pas si ça compte comme une mort, si vous le savez, vous pouvez le dire. Mais du coup, j'en ai pas tué un pour m'assurer le Renfox Sound. Et pour montrer aussi que c'est faisable sans les toucher, même si on se fait tirer dessus à un moment donné. Donc là, c'est toujours pareil, hein, s'attaquer à ceux qui sont en sidecar avec le MK22, sans utiliser le silencieux, sinon vous le lisez. Oh, je l'ai eu. Et du coup, ça fait tomber tout le monde, magnifique. Magnifique. Un coup pour trois. On arrive dans le tunnel et on va arriver bientôt à la fin de cette zone. On a encore un petit bout de chemin en sidecar à faire, mais bon, ça ne sera pas long. Allez, on avance. Donc là, on va arriver dans la zone de sortie, je crois. Je sais plus. Ouais, c'est là, on va faire des dérapages partout et on va se barrer. Donc c'est un petit peu chiant là. Il
faut être face aux ennemis, mais on fonce au milieu des ennemis. Merci Eva de s'arrêter là. Quelle idée de faire demi-tour ici, franchement. Petite question quand même de logique. Quelle idée de faire demi-tour ici sur la route là, et de repartir et de revenir. Les soldats nous attendent et on fait demi-tour à côté d'eux. C'est, en fait, on se ralentit tout seul pour mieux se faire tirer dessus. C'est, j'ai pas compris en fait à ce moment-là. Là, oui, vous voyez, là, bon, déjà là, on s'arrête, bon, c'est normal, mais elle s'arrête pratiquement pas. Là, elle avance. C'est comme si là, on faisait demi-tour aussi en fait et on repassait. J'ai pas compris ce petit passage. Enfin, j'ai pas compris, je trouve pas ça extrêmement logique de la part de Eva finalement. Alors, vous voyez, alors là, vous voyez, comme je n'étais pas sûr à ce moment-là. Je n'ai pas tiré dessus. Et du coup, Snake va pas arrêter de dire damn it. Mince, parce que c'est comme si je n'arrivais pas à viser. Mais je savais pas s'ils mouraient ou pas, vu que quand on les endort, comme j'ai déjà dit, ils tombent et explosent avec leur machine volante, leur plateforme volante. Donc du coup, j'ai préféré assurer le coup et ne pas les toucher. Et on va attendre que Eva nous dise oui, il y a une souche, etc. Mais bon, voilà, vous voyez, je cherche même pas à les viser. Il y aura des motards, mais ce sera plus après. On dit je sais même pas si on dit motard pour ceux qui ont un sidecar. Enfin, oui, je pense, parce que c'est une moto à gauche finalement. À droite, c'est juste un compartiment pour un passager. Même s'il pouvait se mettre derrière la moto. Allez, on avance. Damn it. Donc là, j'ai regardé les deux parce qu'il fallait que je sois face à tout le monde. Et là, vous voyez, ils sont assez avancés. Et c'est assez drôle, mais... Voilà, la souche. Et là, je me fais déglinguer, mais c'est pas grave. Et vous savez pourquoi? Parce que j'ai un lance-roquette. Ah oui, parce qu'il l'a rengainé. C'est bien de débloquer un lance-roquette comme ça, il était dans le sidecar, parce que je l'avais pas pris, moi, à la montagne. Shoot. Boom. Oh, bon là vous ratez pas, sinon vous perdez de l'énergie, forcément, déjà que j'en perds à cause des autres, là, des autres clampins. Allez, on est presque passé. Excusez-moi. Voilà, allez, on avance. Là, c'est pas moi qui les ai tués, voyez. Parce qu'ils meurent, en fait, donc j'en sais rien. Si vous pouvez m'éclairer. Alors, là, on arrive à la zone finale en sidecar. La zone finale, il y aura des sidecars derrière et qui passeront sur la droite. D'ailleurs, peut-être, ouais, ils sont direct sur la droite. Donc là, c'est toujours pareil. Avant le grand saut, il faut tous les endormir. Hop, voilà, ça c'est fait. Si vous avez le camouflage, de toute façon, vous êtes obligé de l'avoir si vous faites le rang Big Boss, puisque vous allez forcément endormir Volgin. Et vous avez le temps de le récupérer. Eh bien, mettez-vous face à eux, et puis voilà. Attendez que Eva vous conduise gentiment jusqu'au saut en endormant les autres. Nos ennemis, les motards. C'est pas compliqué, c'est un peu la séquence pour reprendre son souffle, hein, légèrement. Enfin, moi je l'ai vécu comme ça finalement. Parce que là, quoi que vous faites, il n'y aura rien de difficile. Donc là, c'est un petit peu plus dur de viser dessus avec tous les arbres, les rochers, etc. Même si j'ai réussi à en toucher. Oui, j'ai vu à droite, j'ai vu. Hop, voilà, il y en a eu un. Ouais, j'en ai eu un. Il recharge vite. Bon, voilà, c'est toujours pareil. Je peux pas expliquer grand-chose à ce moment-là, hein, évidemment. Vous le savez très bien. Vous qui avez fait le jeu, ou qui connaissez le jeu, ou qui ont envie de le faire, désolé si je spoil, mais... c'est pas la vidéo en Big Boss quand on n'a pas fait le jeu. Mais si vous n'avez pas encore fait le jeu, qu'est-ce que vous attendez, bordel de merde? Je sais même plus quand est-ce qu'il est sorti, en 2006. Peut-être avant, hein. Peut-être 2004, j'en sais rien. J'ai aucune notion du temps, hein, en général. Et le saut de la mort. Et voilà, bon bah maintenant on va avoir le droit d'avoir un accident et de soigner Eva et nous-mêmes. Et comme on est des crevards, on va se soigner en premier. Parce que c'est ça la loi de la jungle, c'est nous d'abord. Donc, ai-je besoin de rappeler les méthodes de médecine? Non, non, c'est toujours pareil. Coupure, c'est styptique, désinfectant, point de suture et pansement. Et un os cassé, c'est inatel et un pansement. Donc, c'est pareil pour Eva, elle a la queue des coupures. Abdomen transpercé, oui, c'est vrai. Et voilà.
Donc ensuite, on arrive dans la zone où il va falloir transporter Eva, bordel de merde. Il va falloir transporter Eva. C'est une des zones que je redoute assez, puisque c'est assez stressant de savoir que les ennemis sont à vos trousses. Surtout en se trimballant Eva qui est blessée, qui perd de l'endurance comme il n'y a pas, et qui n'a pas de camouflage, qui ne se défend pas très bien. Donc du coup, là je voyais, je m'équipe directement pour la suite. J'ai gardé le Mossin Nagant, mais contre The Boss, je n'aurais pas besoin. Donc j'endors Eva. Et je vais récupérer tout ce que je peux et j'irai à la zone suivante sans l'emmener parce qu'elle se téléportera directement. Hein. Elle a des pouvoirs psychiques. J'ai tout. Hop, silencieux, au cas où il y a des ennemis à endormir. Dans cette zone-là, normalement, vous aurez personne à endormir. Je vous le dis tout de suite. Dans cette première zone, il y a l'autre d'après, hein, bien évidemment. Mais dans celle-là, vous avez juste à presser le pas et à aller jusqu'à la sortie aussitôt par le chemin le plus court sans vous retourner. Et normalement, vous y arrivez avant que les ennemis vous voient. Si vous êtes assez rapide, mais vous allez voir que c'est pas compliqué. Donc j'ai mis le meilleur camouflage possible, je crois. Et ben on va avancer. Téléportation. Téléportation, c'est parti. Je l'ai endormi Eva pour qu'elle garde l'endurance pour aller jusqu'à la fin. Donc c'est parti. Allez, je vais faire triangle plusieurs fois comme ça, c'est pour lui dire de venir, pour ceux qui le savent forcément. Enfin pour ceux qui le savent pas plutôt. Dépêche-toi Eva parce que les ennemis sont juste derrière, ils sont vraiment juste derrière. C'est. Mais je trouve ça bien d'avoir mis. Une séquence comme ça, surtout avec une Eva blessée, vous savez, c'est pour montrer aussi qu'une évasion n'est pas forcément une chose facile, même pour celui qu'on appellera Big Boss plus tard. Et donc là, j'avance, j'avance. On a pu apercevoir tout à l'heure les soldats. Ne pas aller trop loin, sinon Eva s'arrête et ce serait dommage. Là, je crois que j'étais pratiquement à la limite. Et là, j'attends l'endurance d'Eva qui baisse dangereusement. Et là, on est pratiquement arrivé. On se dépêche, on se dépêche. Allez, 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 plus vite, plus vite. Là, on y est, hein. C'est juste à droite. Vous voyez, j'ai même pas sorti mon arme. J'ai même pas sorti mon arme et je crois que je me suis même pas retourné. Où est Eva? Je la vois plus. Allez, là, c'est bon. Finalement, elle a un bon camouflage. Allez, avance, avance, avance. Et là, on va arriver dans l'avant-dernière zone, on va dire, où on peut se déplacer. Parce que la toute dernière, forcément, c'est face à Oslo. Dans l'aéroglisseur, mais j'appelle pas ça une zone quoi. Donc là, alors, fais dodo, voilà, on change pas une habitude qui est intéressante. Et là, on va endormir tous les soldats qui sont là-dedans. Alors, je ne connaissais plus tous les soldats, tous les emplacements de chaque soldat, bien évidemment, je n'ai pas une mémoire d'éléphant. Mais voilà à quoi sert aussi la toute dernière utilisation. De la lunette thermique, c'est dans cette zone là. Du coup, c'est très intéressant. Vous voyez, j'ai touché. Il y avait plusieurs soldats, c'est pour ça. Je sais pas si vous voyez d'ici. Moi, je vois mal. Alors, comme vous le savez, je commente à travers Vegas Pro. Donc c'est le petit écran en fait. Mais ça me dérange pas. Hein, mais c'est juste que là, pour voir les ennemis, j'ai un peu de mal. Lui, il arrive et heureusement que je l'ai eu. Il a fait dodo de toute façon. Oui, par contre, aussi autre chose, le MK22, vous pouvez utiliser toutes les munitions ici, vous n'aurez pas besoin pour deux boss. Enfin, ça dépend de la technique que vous voulez, bien évidemment. Mais deux boss en Foxhound, il faut le finir en mode Foxhound, c'est-à-dire pas à la manière d'une petite tapette. Alors, c'est tout ou c'est pas tout? Je crois que j'en ai vu un qui tournait à droite, on va voir. Donc, oui, j'étais hyper prudent car j'ai tout fait à la suite dans ces zones-là et je voulais pas vraiment recommencer Parce que la dernière fois que j'avais sauvegardé, je crois que c'était après Vol'Guin, enfin après Vol'Guin sur le Chagod, donc j'avais pas envie de tout recommencer, donc j'y allais doucement. Je savais entre autres que j'allais pas me faire repérer à ce moment-là, donc du coup j'étais extrêmement prudent. Et on va bien voir, là il y en a un qui est passé à droite, je l'ai vu. Je crois qu'il y en a un. Et il y en a un effectivement. On va être discret. Très discret. Bon, je suis à 80%, donc ça va. Mais c'est pas énorme vu qu'il est très très près. Où est-ce qu'il est? En fait, je crois qu'il va redescendre. Vous voyez, je l'attendais. Hein. J'étais vraiment à cran là. Où est-ce qu'il est cet enfoiré? Où est-ce qu'il est? Mais en fait, il ne venait pas. C'était ça le problème.
Tandis que Eve fait des rêves. Oui, Eva, pardon, pas Eve. Eva fait des rêves assez bizarres. Ouais, le garde est là-bas, on l'a vu. Il est redescendu. Saloperie, va. Où est-ce qu'il est? Où est-ce qu'il est? Il est par là. C'est le dernier de cette demi-zone, on va dire, on va appeler. On découpe ça en deux zones, donc c'est le dernier de la demi-zone. Et là, je vais le chercher. Je me suis dit, mais merde, il est où? Il est là-bas. Vu. Boum! Ok, bon. Alors, non, là, normalement, il n'y a plus personne et on va pouvoir aller rechercher Eva et l'amener à la moitié de la zone. Et oui, je prends des objets. Je voudrais des munitions de MK22 et c'est pile ce que j'ai. Donc écoutez, c'est largement assez. Je ne fouillerai que ce soldat. Comme j'ai déjà dit, oui, un coup de pied pour la réveiller. Vous n'avez pas besoin d'enlever pardon, excusez-moi, la fléchette. Donc là, on lui donne des poissons. Voilà à quoi sert le poisson que j'ai pris à la cascade. Vous voyez? J'ai même pas utilisé les nouilles instantanées que j'ai depuis belle lurette. Allez, tu me suis maintenant. On n'a pas que ça à faire. Oui, fouille, n'oubliez pas de fouiller les soldats quand vous voulez des munitions, etc. C'est une source de munitions. Une source de munitions. Et du coup, je dirais même c'est la seule source de munitions que vous ayez en mode Foxhound, en mode extrême. Puisque les munitions, on ne les trouve que très rarement par terre. Ou alors qu'une fois finalement. Donc c'est important de fouiller les soldats une fois que vous avez du mal, forcément. Une fois que vous en avez besoin. Et mon portable qui sonne, mais j'en ai rien à cirer. Et donc, on arrive finalement à la deuxième zone. À la deuxième zone. Et du coup, on va essayer de les avoir par-dessus. Bon, j'attends Eva, forcément. On attend. Quand est-ce qu'il arrive aussi, c'est un petit peu chiant. Allez, on pourrait y aller avec Eva hors d'état de nuire. Alors, il y en a partout. Il y en a même un juste en dessous, mais vous verrez plus tard. Donc je vais essayer de les avoir tous d'un coup. C'est bon. Et en fait, d'ici, on les voit pas tous. Ils se cachent derrière les arbres aussi. Il va falloir tirer à côté des arbres au silencieux, sinon on se fait repérer. Heureusement que j'ai remis le silencieux d'ailleurs. Je vais tirer avec l'autre arme. Le M19, M19-11, je crois. Donc là, bien évidemment, regardez avec la vision thermique, on voit tout. Et du coup, là, je ne voyais plus personne, mais il y en a encore. Il y en a encore au moins, je dirais, deux. Un en dessous, voilà, il est là. Notre ami est là. Il faut se mettre accroupi pour l'avoir. Et là, je ne vois plus personne. Il va falloir tirer sur les arbres à côté, donc c'est ce que je vais faire. Où es-tu? À gauche, on a vu qu'il y avait un bout qui dépassait, vous voyez, il a vu. on va retirer, il va bouger. Voilà, vous voyez, quand vous tirez à côté, il change de place. Et là, j'ai eu de la chance, il s'est mis à découvert, sans qu'il sache. Fait dodo. Voilà. Alors, il en reste au moins un, celui qui est en dessous. Mais c'est pas forcément le dernier. Donc là, vous voyez, je vais tirer un petit peu au hasard derrière les arbres. Je voulais m'assurer qu'il n'y ait plus personne. Faites comme ça si vous n'êtes pas sûr. Tirez quelque part au silencieux, toujours, sinon vous êtes repéré. Donc là, je ne sais pas pourquoi j'ai tiré là-bas. Hop, il n'y a personne là. Il n'y a personne là. Normalement, je pense que c'est bon. Donc, il ne reste plus que le soldat en dessous. Si tout va bien, dernière vérification. Normalement, c'est bon. Et le voilà. Et on va le finir. Il est à plat ventre. On aurait du mal à le voir. Voilà, normalement, c'est bon. Normalement, tout est parfait. On va pouvoir réveiller la grosse. Et on va y aller. Non, la grosse, bien évidemment, je rigole. Debout! Debout, soldat! Et on y va! En route! Pas parce que t'as l'abdomen transpercé qu'on va te transporter, non mais on est où là? Donc voilà, j'enlève le silencieux, même si je vais pas utiliser le MK22 face à deux boss. Mais vu que je le sais déjà maintenant, c'est bon, mais je cherchais des munitions de MK22, hein, comme vous le voyez. Oula, elle m'a sauté dessus presque. Ah bah voilà, parfait! 25 sur 25, bah c'est bon, on a besoin de rien d'autre. Suivez-moi donc, mademoiselle Eva. Allez, on avance, et on sent la fin du jeu qui approche. Et quand vous faites le renfoxarn, vous êtes assez content d'être arrivé jusqu'ici, parce que...
Déjà, rien que quand j'avais commencé MGS1 en rang Foxer, je me suis dit, mais comment je vais faire pour faire tout, quoi. Même le 2, le 3 et le 4. Et en fait, arriver vers la fin du 3, c'est possible, mais il faut vraiment être concentré. Allez, avance, avance. Avancez, mademoiselle, avancez. Tac, tac. Allez, allez, allez. On va te porter, puis on va fighter the boss. Donc oui, j'ai remis la combinaison furtive. On va fighter the boss à main nue, messieurs, dames, à main nue au CQC, puisque j'avais envie de finir comme ça. Alors, il faut appuyer sur rond, sans analogue, et là, la foutre par terre après. Appuyer sur rond au moment où Snake fait... Au moment, si vous appuyez trop tard, c'est trop tard. Vous appuyez avant, c'est trop tôt. J'ai mis un petit bout de temps à maîtriser, hein. Je l'ai maîtrisé qu'à partir de ce grand big boss là, hein. Vous voyez, j'y arrive. Je l'ai maîtrisé qu'à partir de là, hein. Quand j'ai fait mon playthrough en vidéo, je n'y arrivais pas. Et vous voyez qu'après j'y mets un coup de pied et une roulade. Une roulade c'est l'équivalent d'un enchaînement de coups, et du coup le coup de pied juste avant est optionnel mais très efficace. Puisque si vous y mettez, parce que déjà d'une elle a un certain temps où elle reste par terre, mais ça dure pas longtemps. Et un certain nombre de coups, ça doit être 3. Vous voyez, par terre, coup de pied, et roulade. Je lui fais perdre un demi-quart à chaque fois. Du coup, ça devrait prendre 16 fois, pardon. Il faut calculer. Le voilà. Hop, esquive. Hop, je fous par terre, CQC, boum. Et là, j'ai raté. Ce coup-ci, non. Roulade, vous pouvez faire qu'une roulade, hein, ça marche. Après, vous cachez derrière un arbre, une fois qu'elle a fini de tirer... Vous vous rapprochez d'elle en courant jusqu'à ce qu'elle déclenche le CQC. Elle va dire me voilà, ou des trucs comme ça. Here I come. Hop, esquive. Bien vu. Et c'est pas évident à maîtriser. Moi je vous avoue que pour maîtriser ça, j'ai mis plusieurs fois continuer pour réessayer aussitôt et apprendre à esquiver. Here I come. Je l'avais dit. Et quand elle remporte la bataille de CQC, on va dire, et qu'elle vous fout par terre, ça vous fait perdre énormément, hein. Vous avez un os cassé, je crois, et au moins un tiers de la barre de vie de Snake tombe, et moi ça me l'a déjà fait, que deux tiers tombent, donc du coup il vous reste plus qu'un tiers, c'est pas beaucoup. Esquive, hop. Mais bon, une fois vous le maîtrisez, de boss est extrêmement facile. Et je suis en mode extrême pourtant. J'aurais jamais pensé que j'arriverais à la faire en extrême à main nue, vous voyez, comme dans la mission d'avant, enfin la zone d'avant, j'ai pris les munitions de la MK22 exprès, mais finalement j'ai réussi comme ça. Et ça fait une très belle manière de finir The Boss en mode extrême. Esquive. Et ouais, c'est la dernière fois que j'esquive. Oh. Par terre. Coup de pied. Et la roulade. Elle lâche son camouflage de serpent dont je ne me servirai pas. Et la fin. Et arrivera très bientôt. Voilà. Donc là, on va avoir droit à la cinématique. J'ai laissé tout ce qu'on ne peut pas passer. Et cette cinématique-là, on ne peut pas la passer. Lorsque The Boss finalement va se faire tuer par Big Boss. Enfin, par Naked Snake. Avec cette musique. Et oui. Un grand moment d'ailleurs. Assez triste. Assez triste comme moment. Mais bon, toujours très intéressant, évidemment. Je pense que beaucoup s'y intéressent. Même si, quand on connaît l'histoire d'après, Big Boss apprend que finalement, The Boss n'avait pas fait exprès de mourir, mais avait finalement abandonné de combattre. Parce qu'en étant Big Boss, vous êtes condamné à combattre toute votre vie. Puisqu'elle avait déjà combattu avant, etc., etc. Avec la petite musique derrière, ça rend vachement bien quand même. Et pour un jeu de... Enfin, jeu de PS2, même si je considère les Metal Gear Solid tellement bon. Pour un jeu de PS2, pardon, je vais dire PS3, j'ai tellement l'habitude, mais je le trouve assez bien fait, franchement. Même si là, c'est sur la HD Collection et c'est sur PS3, sur PS2, il était légèrement moins bien fait, puisque les textures n'étaient pas aussi lisses. Mais je le trouvais tellement bien que je crois que je l'avais fini. Si je dois compter... Ah, on va la tuer. Si je dois compter le nombre de fois que j'ai fini MGS3, ça arrive jusqu'au 40, hein, pour ceux qui se demandent. Donc là, c'est bon, on va arriver face à Oslo, donc je vais finir de la bonne manière.
On va prendre le pistolet à gauche, le pistolet, le Single Action Army. Et je ne vais pas tirer dans Oslo, je vais tirer à côté. Voilà. Et voilà pour le gameplay de Metal Gear Solid 3 Raw Fox Sound. Avec la musique. Quel est le titre de cette musique d'ailleurs? Je réfléchis. Je sais plus. En tout cas, cette musique-là, putain, rien que l'entendre cette musique-là, ça me rappelle des vieux souvenirs, c'est marrant. Des souvenirs d'il y a 6-7 ans, la vache. Presque une dizaine d'années quand même, c'est incroyable. En fait, finalement, ce qui est aussi touchant avec ces jeux-là, même avec les jeux vidéo, c'est que ça vous rappelle des souvenirs assez lointains et assez chaleureux, ce qui fait que ça fait partie finalement de votre vie en général. Enfin bref, on n'est pas là pour parler de souvenirs, on est là pour parler de... Oh! Fox, pardon, j'ai failli dire Big Boss. Enfin bref, c'est à peu près la même qualification. Bah voilà, Metal Gear Solid 3 c'est fait, vous allez le voir juste après le générique. Hein, comme à chaque fois je laisse le générique, je laisse tout ce qui compte dans le rang Big Boss. Et comme vous le voyez, le générique sera assez long, même avec une belle musique quand même. Elle est belle la musique quand même, je trouve. Ça... Pardon, faut pas que je chante. Et en tout cas, voilà pour le rang Fox Sound. Donc oui, pour ceux qui se demandent ou pour ceux qui demandent, je ferai Metal Gear Solid 4 Guns of the Patriots en rang Big Boss, comme je l'ai déjà qualifié de Metal Gear Solid le plus facile en rang Big Boss. Sauf que je parlais de ça avec le pistolet solaire. Vous savez, dans Metal Gear Solid 4, il y a un pistolet solaire qui fait que les beauty, les boss, là, quand elles sont en forme humaine, on peut les avoir en un coup, etc. Mais je crois que, puisque Rambig Boss, ça doit porter son nom, justement, comme dans Metal Gear Solid 1, 2 et 3, comme j'ai fait, j'ai pas utilisé de glitch ni quoi que ce soit, hein, vous avez bien vu. Face à The Boss, j'ai fait à main nue, etc. Et ben, je n'utiliserai pas, en tout cas, j'essaierai, hein, je vais bien voir, j'essaierai de pas utiliser le pistolet solaire, je vais vraiment en chier, hein, croyez-moi. Je pense que je vais en chier face au boss, mais sans le pistolet solaire, quoi, sinon c'est n'importe quoi. Avec une nouvelle partie, sans avoir acheté des trucs auparavant et tout, hein. Sinon, j'appelle pas ça un Rambig Boss finalement. Le fait de pouvoir se préparer avant, c'est pas un Rambig Boss. Les trois que j'ai fait avant, je me suis pas préparé avant, enfin j'ai rien fait avant, j'ai pas utilisé de camouflage optique ni quoi que ce soit. De toute façon, on pouvait pas se préparer avant, donc je vois pas pourquoi je le ferais dans MGS4. Et bah pour MGS3, bah voilà pour ce MGS. Si je devais qualifier une zone ou alors un boss extrêmement dur, alors une zone assez compliquée, j'en sais rien. J'en sais rien, non, je sais pas. Une zone assez compliquée, j'en aurais deux, je dirais. Le premier, c'est quand on va au laboratoire de Granine, vous savez, il y a la zone, il y a deux étages là où il y a des soldats. Celle-là est assez compliquée dans le fait que je me suis fait repérer plein de fois par celui en haut ou par celui en bas, parce que la deuxième fois que vous y passez, c'est un petit peu plus compliqué. Mais sinon, l'autre zone, c'est quand vous sortez de prison. Tout le chemin jusqu'aux égouts. Voilà, j'ai essayé plusieurs solutions, j'ai mis un petit peu de temps, mais finalement c'est la seule que j'ai retenue, c'est celle que j'ai fait en assommant les gardes au Single Action Army. Mais bon voilà, et les boss les plus durs, j'en sais rien. Oslo n'était pas vraiment compliqué, vous l'avez vu. The Pain, j'en ai chié littéralement, mais c'est parce que j'ai fait n'importe quoi. Enfin, j'en ai chié. Non, non, j'ai pas eu du mal. J'ai pas eu du mal à le tuer dans le sens difficile. J'ai eu du mal à le tuer dans le sens du temps. Parce qu'à chaque fois, il se recouvrait de son armure. Et que je savais pas viser à la grenade, c'est vrai. Il y avait ça aussi. Je la faisais rebondir, mais souvent elle tombait dans l'eau. Donc ça tombait à l'eau, littéralement. Après, il y a eu quoi comme boss? Que je réfléchis, je perds la mémoire. The Fear est extrêmement facile. The End, pareil, j'ai galéré, mais en fait c'est facile, c'est juste moi qui faisais n'importe quoi. Et y a quoi d'autre? Y a quoi d'autre que je réfléchisse? The End, ça c'est bon. Ouais, Volgin. Volgin, une fois qu'on a la technique, c'est bon. Comme vous avez vu, c'est allé assez vite. Le Shoggoth, pareil. En fait, je dirais The Boss. Ah, avec la belle musique qui arrive derrière. Je dirais The Boss, pourquoi? Parce que maîtriser le CQC face à The Boss,
Au début, pardon, c'est assez dur. J'en ai chié, mais finalement, maintenant, j'y arrive. Et je suis content, finalement. J'ai fait ce Rang Big Boss là pour avoir le Rang Big Boss, mais finalement, je repars aussi avec autre chose. C'est que maintenant, je sais comment maîtriser deux boss en CQC. Et comme je l'ai déjà dit, Metal Gear Solid 3, je l'ai fait au moins une quarantaine de fois, mais ça sera pas du tout la dernière, loin de là. Parce que je suis du genre à refaire beaucoup de fois mes jeux, et je suis jamais lassé, surtout pas de cette série-là. Donc, la prochaine fois, ça sera en CQC. Avec cette belle musique. Enfin voilà, bientôt Metal Gear Solid 4. Donc à chaque fois, entre chaque épisode de Rang Big Boss, Foxhound, vous savez que je prends quelques, au moins un mois ou deux de repos, finalement, parce que faut savoir aussi que les Rang Big Boss, je les fais comment? Je les fais en alternance avec les autres vidéos. Donc finalement, je prends sur le temps que j'ai d'habitude pour faire autre chose. Vous savez, je fais mes vidéos, j'en fais 3, entre 3 et 4 par semaine maintenant. Plus les Rang Big Boss finalement. Donc c'est un petit. Sachant que j'ai un boulot à côté, je prends sur mon temps. Même si je devrais pas dire je prends sur mon temps. Pourquoi? Parce que les jeux vidéo sont une passion. Donc vous prenez pas votre temps. Enfin de votre temps pour une passion, puisque votre passion doit prendre votre temps. C'est ça le truc. Surtout Metal Gear Solid. Alors finalement, Metal Gear Solid pour moi c'est une passion dans une passion. C'est limite Metal Gear Solid, mais c'est plus ma passion que les jeux vidéo. C'est bizarre, pourtant c'est un jeu vidéo. Je vous laisse méditer là-dessus. Enfin voilà, donc oui, je ferai Metal Gear Solid 4. J'ai vite fait regarder le premier niveau, mais j'ai encore rien fait. Et sous cette belle musique, on va se retrouver, non pas pour le résultat, mais pour Oslo qui va appeler on ne sait qui. Moi je pense au. Je pense qu'on va le savoir tout de suite. Dou, 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 dou. Allez Oslo, passe ton coup de fil s'il te plaît. Ah oui, j'aurais pu l'enlever, j'aurais pu effectivement, mais j'ai préféré le laisser parce que ça fait partie. Sacré Oslo, et dire qu'on le reverra dans Metal Gear Solid 5, j'en suis heureux d'ailleurs, j'en suis heureux de Phantom Pain. Je suis extrêmement impatient, vous pouvez pas savoir à quel point j'attends de Phantom Pain. Disons que, en fait, ce qui est intéressant, c'est que tous les autres Metal Gear Solid, à part le 4 peut-être, je les attendais, mais j'étais plus jeune. J'avais pas l'âge que j'ai maintenant, pour ceux qui s'intéressent, j'ai 22 ans. Pour Metal Gear Solid 3, j'avais quoi? J'avais 16-17 ans. Et pour le 2, j'avais 13-14 ans. Pour le 1, j'avais 10-11 ans. Quand on a cet âge-là, je comprends qu'on puisse attendre un jeu, mais pas tant, pas avec la même envie que j'ai maintenant. Maintenant, j'ai l'envie, mais c'est une envie encore plus grosse et qui augmente chaque jour finalement. Quand on est plus jeune, on a tendance à jouer à un jeu plus rapidement et plus en rushant. Alors que moi, finalement, c'était l'inverse. Et du coup, j'attends de Phantom Pain avec impatience le passage, le réel passage de Big Boss vers le côté obscur, finalement. C'est une période qui est très importante, finalement, parce qu'on a toujours l'image du Big Boss conquérant, le Big Boss qui est vaillant et qui est héroïque, mais non, c'était pas l'image qu'il y a eu après. Finalement, il utilise les enfants pour les diamants, je crois que c'est ça, pour avoir de l'argent derrière. Il utilise l'enfant en tant qu'enfant soldat. Il constitue un groupe de mercenaires, donc de terroristes. Il fait le sale boulot, comme le dit si bien Miller dans le trailer. Il a perdu le bras droit d'ailleurs, je me rappelais plus qu'il avait perdu le bras droit, c'est vrai. Mais bref, ça va être énorme. En open world, même si Kojima, en plus, d'ailleurs au moment où je parle, Kojima a félicité Rockstar pour GTA V. Mais je pense que Kojima n'a pas à rougir de la comparaison entre MGS 5 et GTA V. Même si GTA V forcément sera magnifique, et il n'y a pas à douter dessus, c'est un GTA San Andreas HD, franchement. HD refait finalement, ça va être génial. Le seul truc que j'accroche pas en changeant de sujet sur GTA V, c'est le fait d'avoir 3 persos. J'accroche pas. J'aime bien être tranquille avec un seul perso, ne pas avoir à changer. Finalement, changer de perso, ça vous. Pour moi, je pense que ça décrochera de. L'adrénaline, etc. Vous savez, vous êtes en pleine course-poursuite, ta-ta-ta-ta, etc. Ça s'arrête. Vous voulez le temps de souffler, tac, non, vous changez de personnage et vous arrivez, je sais pas, chez le mec qui est dans son appartement.
Du coup, là, on baisse la tension d'un coup et ça fait une sorte de flop, quoi. Après, c'est le seul truc à reprocher, franchement. Je pense qu'il sert à rien. Bref, pour MGS5, vivement, vivement, vivement et revivement. Est-ce que le petit ado, le petit enfant blond et Liquid Snake. Je sais pas. Ils disent que c'est en Afghanistan et je sais que Liquid Snake est allé en Afghanistan et s'est même fait capturer. Mais il avait la vingtaine à ce moment-là, je crois, donc je ne pense pas. J'en sais rien, on verra bien. Mr. Director. Et voilà, à la manière d'une musique de James Bond. Bon, bah écoutez, voilà, on va voir les résultats. Suspense. Et voilà, extrême européen Ron Foxhound. Petite info, l'image de Ron Foxhound est l'image de l'équipe Foxhound dans Metal Gear de Solid Snake sur MSX, pour ceux qui ne savent pas. 3h08, bah ça va, j'ai enregistré 23 fois sur 25, j'ai partie reprise 0, c'est continu, j'ai alerté personne, j'ai tué personne, je me suis blessé 3 fois, sérieusement, une barre de vie ça va, médicaments 0, 12 plantes, 13 repas. Et bah voilà pour le Ron Foxhound. En 3 heures sur 5, donc ça va, j'ai pris mon temps, bah c'est parfait, écoutez. Voilà ce qu'il vous reste à faire, et j'attends de vous vos commentaires, et surtout vos impressions et vos essais, s'ils ont été fructueux ou pas. Bien évidemment, après avoir débloqué beaucoup de choses, je vous donne rendez-vous à la prochaine vidéo. Merci à vous, et bah salut à tous.